Dans un lieu où règne crasse et putréfaction. Dans un lieu qui jamais ne sent bon. Un homme, un seul, réussit là où tous les autres ont échoué. J'ai vraiment envie de mourir. Des aventures diverses et variées. Et se demande pourquoi il est en vie. Constamment. Apart Quest. Pas de filmer sa merde. Oh, regarde-moi ça, ça déchire. Et toi, je pouvais t'appeler. Où est le Gigi? Ah là oui. Ah, vas-y. Sévère, ta gueule. Ouais, y'a quoi? And alone, none of hero, none of the stone. C'est quand même plus de pute! Connard! J'ai des limites dans la ville! 50 km à l'heure! Mon Dieu, qu'ai-je fait de ma vie? On est dès à présent mardi. Je suis genre tellement lessivé, je suis absolument mort. Donc, le plan d'aujourd'hui. C'est de clean tout ceci. Et de faire à manger à Nico. Comme si ils m'ont passé une poche, j'ai dégueulé dedans. Je vais peut-être aller la jeter. Ça doit puer la merde. Je vais aller voir. Les poteaux, c'est. Oh non, ça pue. Oh mon Dieu. Je suis à peine arrivé ici, ça a commencé à sentir. Oh. Ah oui, j'ai vomi dedans, ça c'est sûr. Je vais aller la jeter. Et sur ce, on se retrouve après nettoyage. Bon, j'ai à peu près rangé. Du coup, je
comptais jeter le sac à vomi, mais juste un problème, c'est que ouais. Donc je suis condamné à rester avec cette odeur de vomi dans la cuisine, ce qui va être très pratique pour cuisiner. Délicieux. Genre vraiment. Ah, comment cet homme fait-il pour vivre dans une cradoté est aussi extrême. Ah, ah ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Bon bref, dans tous les cas, c'est y part. Je suppose me sentir mieux, j'espère. Verre d'eau fini. Je suis en PLS. Genre, je crois que ça se voit là, genre, au niveau des cernes. Vol d'éther plus plus! Ok. Ça, c'est moi. Vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Moi non plus, je sais pas. Mais parfois, c'est l'une des choses qui nous arrivent dans la vie, l'aléa. C'est une belle chose tout de même. C'est beau. Par contre, putain de merde, mais qu'est-ce que je fous à passer à travers d'une feuille? Débarrasser une tasse bien chiante. Et maintenant.
de merde. Sa cafomie. Ouais, et tu vis la poubelle dans le local poubelle aussi. Ah, tu veux dire. Pas le sac poubelle, genre le contenu du bac. Oui, oui, parce qu'il y a pas de sac dedans. Yes. Que tu cleans ces deux assiettes, que tu ranges tout ça à leur place. Et que tu jettes les trucs et tout. Et que genre tu ranges tout ça, soit fully clean. Dis-moi, ça fait depuis combien de temps que t'as pas clean ce micro-ondes? Depuis jamais. Yeah, ça fait depuis combien de temps que t'es là? Ah. 2 ans. Yes. Ah, j'y go. Oublie pas de me donner les clés, fils de pute. Ah oui, en effet. Histoire que je ressorte pas par la fenêtre. Je prends une banane et un Twix sur le trajet. C'est terrible, ça. T'es vraiment à moitié LC. Oui. Je te juge. Bon, j'y vais du coup. Ouais. A plus. Quel con. Je suis vraiment à terre actuellement. Pour résumer la situation, Nicolas revient dans à peu près 40 minutes ou un truc comme ça, une heure. Et je suis du coup censé clean l'appart et je n'ai même pas commencé. C'est vraiment parfait. Il est donc temps d'invoquer le mode déter plus. Non. Oh le bouza. Je vais vraiment tout ça clean. Plus ceci. Ah non, c'est horrible! Putain de sac là! Non! C'est pas que vomi est séché, mais ça doit pas déverser sur le sol. Cuisine qui est étonnamment propre, je dois avouer. Choqué. Bon, ça c'est pas mon domaine. Et ensuite, balayer un peu le ground. Je range ma gratte. Bon bah let's go, c'est tipper. Paysage s'il te plaît. Bon alors que va-t-on faire? Nous allons. Je vais jeter cette putain de vélo qui n'a pas de sac. Je devrais préciser. Qui date de combien au moins? Au moins 2 semaines. Yes, yeah, c'est le sac dans lequel j'ai à moitié vomi hier, l'autre moitié se trouvant sur le tram, dans le tram. Oui. Tramway. Bon, si tu y allais. Mec, je ne t'aide pas, je m'en bats les couilles, je ne peux que filmer. Yes. Oh, smell inside! Non! Oh, smell! Si je levais du fait. Déter plus! Si je levais du fait. Ok. Ah! Mec, ça pique! Tu te levais de ouf!
Sur les keys. C'est moi qui les ai. Sur. Effectuer une sieste de 2h30, nous sommes tous deux en PLS et nous avons commandé Uber Eats. L'appart est dans un état des plus déplorables actuellement, je pense qu'il n'a jamais été aussi crade, du moins la cuisine. On a essayé de voulu faire du slime et vous voyez que c'est sorti de notre contrôle. Donc nous allons ouvrir cette putain de porte. Oh merde, il y a mon slip à droite. Yes. Je peux rentrer. Vas-y. Soulève donc ça. Il est temps. Tu pourras d'ailleurs aussi expliquer qu'est-ce que ceci. Oui, plus tard. Bon, jamais. Ok. Allez, je t'en hype. Ok, ferme les yeux. Ok. Je vais maintenant allumer la lumière. Ça sent le sif. 3, 2, 1, watch. Oh, mec. Donc parfait. Oh my god. Mais combien de temps ça sent?
Bon, 2h30. Mais c'est tellement cool. T'as acheté ta coupe de belle éponge. Ouais, je sais pas où t'avais foutu l'autre. En fait, je l'ai retrouvé que maintenant dans une des casseroles que j'ai clean. Excellent. Mon dieu. Tu gères. Tu sais plus où. Oui, je sais plus où.